Some 1,300 kilometers of road lie between Niamey, the capital city of Niger, and the town of Agadez. As you drive via the northern desert city of Agadez, you find that much of the road is unpassable. A river, the French nuclear group, has been involved in mining operations here for the last 45 years. At Areva's Paris office, the company's communications director, Christophe Noyeux, is confident that the hazardous process of uranium extraction in this remote corner of Africa is done according to strict regulations. D'abord, il faut rappeler que pour fonctionner, nos mines ont besoin de conventions minières qui sont mises en place sous l'égide des autorités nigériennes, hein, donc qui vont fixer le cadre légal de fonctionnement. Puis ensuite, il y a, lors de la phase de fonctionnement des mines, un certain nombre de contrôles réalisés par des organismes indépendants, donc à la fois sous l'égide de l'État du Niger et puis d'autres organismes, afin de montrer que tout cela est conforme à la réglementation. Uranium exploitation around Arlit is carried out by Cominac, short for Akkan Mining Company. It extracts uranium ore from underground more than 250 meters down. Somaïr, the air mining company, also operates here and is mainly involved in open-cut mining. L'uranite est obtenu après tout un processus de traitement, ramener le minerai qui a des dimensions plus importantes à des dimensions beaucoup plus fines, donc à savoir le concassage, le broyage. Une fois dissous, on passe le produit à la séparation solide-liquide. On obtient un produit qu'on appelle uranate de sodium. Cet uranate est séché, mis dans une capacité de stockage. Maintenant, une fois que la capacité là est pleine, on passe à la mise en fibre d'enfitage. The two companies produced 4,500 tons of urate in 2012. In total, Areva says it has extracted about 120,000 tons of uranium from the Nigerian subsoil since it began operating in 1965. The company intends to inaugurate a third mining site in 2016. The site in Imoraren is projected to produce 5,000 tons annually. 130,000 people live in Arlit, which is home to the two mining companies. Arlit is a city with two sides, the mining district also known as Petit Paris, and the populous district where locals live in precarious conditions. Areva says waste from water used by households and factories is processed and then made available for local market gardeners. C'est paradoxal quand Somaïr exploite, soutire, pompe l'eau pendant plus de 40 ans directement de la nappe phréatique et que nous, au niveau de la population d'Arlit, on nous laisse des eaux usées pour arroser nos jardins. Nous pensons que c'est déplorable et que cela porte atteinte à la santé de la population de la région d'Agadez et de la ville d'Arlit en particulier. Here we can see sediments of chemical products after the soil dried up in the wake of floods from water in the pond. The chemicals are sulfur and caustic soda. They are unintentionally discharged into the city from tracked loads of earth regularly shipped to the mining sites. The discarded soil with a low uranium content that is cast over from the factories is used by locals for building houses. Scrap metal from the factories finds its way onto the market despite having radioactivity levels above normal, which is a serious concern for civil society activists. They invest time in finding ways to prevent the population being contaminated. But locals mostly complain about the lack of water. And in fact, it is easier to get contraband petrol from Algeria than water in Arlit. Here, we are at the Arlit Hospital.
A laboratory assistant tells us that patients admitted here most often complain of dust-related diseases. Arriva says protective measures are safely in place, but cases of cancer-related diseases and a number of deaths among mining employees or former mining employees are causing questions to be asked about the levels of radioactivity in the air and its impact on human and animal lives here in the region. The charity Greenpeace, in a 2010 report, rang an alarm bell about what it called contamination everywhere in the town of Arlid. Les gens vivent en toute proximité au niveau de ces résidus miniers, avec des fortes émissions de produits radioactifs. Donc les gens sont irradiés. Troisièmement, mais ce n'est pas l'arrosage et l'abattage, ce qu'ils appellent l'abattage des poussières là. C'est vrai que ça atténue, mais c'est clair qu'aujourd'hui, des populations inhalent impérativement des particules solides, donc avec des risques d'exposition. Comme on l'a démontré une étude de Greenpeace, de l'eau avec des quantités de radioactivité supérieures aux normes de l'OMS, il est clair que vous avez des contaminations directes du cheptel par la végétation et par l'eau de boisson. Arriva's Christophe Neyo disputes these findings. Alors, lorsque l'on fait l'ensemble des contrôles, hein, donc on va faire des prélèvements à la fois dans l'eau, dans l'air, sur le sol, dans l'alimentation, puis il va y avoir des calculs qui vont être faits, et ces calculs montrent qu'on est en deçà des normes réglementaires, normes réglementaires pour la population est de 1 millisievert, et donc on est en deçà, et donc très en deçà également des niveaux à partir duquel il peut y avoir l'apparition de pathologies. Ce niveau est de l'ordre de 100. Donc, vous voyez qu'on est très en deçà de ces niveaux. Uranium, it seems, has become a curse for residents here. It has repeatedly provided grounds for rebellion, mainly among Tuaregs. 5 workers employed by Arriva are still held by AQMI, Al-Qaeda in North Africa, since being captured in 2010. And on the 23rd of May 2013, Islamists carried out 2 suicide attacks in the region. One targeted the Somair company in retaliation for Niger and France's involvement in the war in neighboring Mali. Niger is the world's 5th uranium producer, yet the country is at the bottom of the UN Development Index.